salut à tous, salut à toutes. Vous êtes bien avec Cartman pour encore une vidéo exceptionnelle, cette fois-ci Mass Effect Andromeda. Oui, 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 il est là. Et nous allons de ce pas vous montrer de quoi il en retourne. Un jeu fabuleux, tant attendu après les trois premiers épisodes. 640 ans plus tard, nous arrivons sur la galaxie Andromeda. Vous voyez la finesse et la beauté du graphique. Du graphisme, pardon. Pourquoi j'ai dit graphique? Certes, le graphique est bon aussi. Mais... je ne sais pas s'il y a des fans de Mass Effect, mais... je tenais à faire cette vidéo avant que le jeu sorte officiellement. Et j'espère qu'elle va vous plaire. Donc c'est le début de l'histoire. Donc il est temps de laisser l'artiste parler. De production. BioWare, bien sûr. À l'origine de chaque grand moment de notre histoire, il y a un rêve. Vidéo, let's go! Au départ de chaque bond en avant, des héros, prêts à tout pour réussir. Nous laissons tous, derrière nous, des familles, des foyers, le berceau de notre espèce. Certains, pour découvrir l'inconnu. D'autres, pour prendre un nouveau départ. Mais aujourd'hui, quelles que soient nos raisons, nous nous élançons ensemble vers un avenir nouveau pour l'humanité. Aujourd'hui, nous commençons à faire de notre rêve une réalité.634 ans plus tard, après l'attaque des moissonneurs sur Terre, défendu vaillamment par Shepard, l'humanité doit se trouver une autre planète suite à cette terrible guerre. Direction Andromeda. La cryogénisation, on a réussi. C'est jamais très bon. Respirez, il va falloir y aller doucement. Ça fait 600 ans que c'est doucement, alors bon. Ryder Scott, explorateur, équipe de mission du pionnier. L'équipe du pionnier? Ceux qui nous cherchent un foyer? Sous les tropiques, vous croyez que c'est possible? Une mer chaude, l'été toute l'année? On pourrait commencer par lui offrir un café, non?
Donc bien sûr, il est possible de personnaliser le personnage, chose que je n'ai pas faite pour une démo, mais je le ferai lorsque le jeu sera dispo. Scott Ryder, voyons si tout va bien. Regardez. Après la découverte d'un nombre étonnamment élevé de candidats, appelé Monde en or, le secteur Eleus a été sélectionné comme destination. Vous faites maintenant partie de la première vague d'Arche à atteindre Andromède, la nouvelle galaxie de l'humanité. Ah oui, si seulement c'était si simple. Donc bien sûr, là pour le moment j'étais alors émotionnel. Le choix de ton, bien sûr. Donc on a, ça ne vaudrait pas le coup. Bon, je vais marquer un tiens. Même voilà. Si ce n'est pas, on sera prêt. Je l'espère. Vous savez quelque chose? Le pionnier a annoncé qu'il vous veut tous prêts pour la mission dans l'heure. Regardez par là. Une urgence? Je ne sais pas, mais ça paraît sérieux. Bon, tout a l'air en ordre. Une dernière chose avant que je vous laisse partir. On va tester votre implant. Sam, tu assures le suivi? Sam, tu es en ligne? Oui, docteur Tepero. Bonjour, Ryder. J'espère que vous allez bien. J'ai l'impression d'être un cornet de glace vieux de 600 ans. J'espère qu'on a plein de café. Résultat confirmé. Compte tenu des niveaux d'adénosine dans votre sang, l'implant neuronal fonctionne correctement. Adéno quoi? Ça veut dire que vous émergez de votre sieste. Aucune raison de vous retenir plus longtemps. Mais vous voudrez peut-être rester pendant qu'on réveille votre sœur? C'est toujours plus facile quand on voit un visage. Ça ne me dit rien qui vaille. Qu'est-ce qui se passe? Accrochez-vous! Salle des machines, au rapport! Cramponnez-vous avec quelque chose! On a plus de pesanteur dans la zone de cryo! Attention à la fringue! J'y suis presque! Tenez bon! On fait que ça! Ici Cora, à la zone de cryo! Je rétablis la gravité! Tout le monde va bien? Oui, je crois. Qu'est-ce que c'était? On ne sait pas, les capteurs sont brouillés. Mais ça fait plaisir de vous revoir. J'ai l'impression que ça fait des siècles. Ici le pionnier. Équipe de mission, continue à vous préparer. Cora, des riders, rendez-vous sur la passerelle. Vous l'avez entendu, allons. On a un problème par ici. C'est Sarah Ryder. C'est donc ma sœur. Personnage que vous pouvez choisir au début du jeu, si vous êtes une femme. Et je pense que là, ça sera l'inverse. Ce qui arrive à ma sœur arrivera donc au frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Scott. Ma sœur va bien? Sarah va bien. Ses signes vitaux sont bons, mais le processus de réveil a été interrompu. Quand est-ce qu'elle pourra se réveiller? Mieux vaut ne pas se précipiter. Sam? Ma connexion à l'implant de Sarah a été interrompue. Son pouls, sa respiration et son activité cérébrale sont cependant normaux. Pour limiter les risques, on va la garder pendant un moment en coma artificiel et laisser son corps reprendre conscience naturellement. Elle va s'en tirer. Ça me rassure. Merci, Alexis. Tenez-nous au courant. Je vous attends à la porte, Ryder. On y va quand vous voulez. Surveillance permanente dans le module pour l'instant. Ok, dirigeons-nous vers la porte. Vous êtes prêts? C'est quoi le problème? Je dois la suivre. Oui, je suis prêt. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça?
détecté. Il a un scanner. Vite, Ryder, on doit trouver cette défaillance. Bah oui. Ok. Je vais essayer d'obtenir des relevés du deuxième conduit. Edward, occupe-toi de celui-ci. Je retiens les défaillances. On scanne. D'accord. Le relais 2C présente des signes de dégâts causés par une forte hausse de température. J'ai trouvé le relais fautif. Ryder. Le 2C. La réinitialisation. Je sais pas si je peux. On va essayer. Voilà, c'est réinitialisé. Bien joué, Ryder. On peut aller au tram, maintenant. Contactez la passerelle et dites au capitaine Dunn que ça ne tiendra pas longtemps. C'était moins une. À peine dans Andromède et c'est déjà le cas. C'est parti pour l'aventure. Pas sûr que votre père voit ça du même œil. Allez-y, conduisez-nous à la passerelle. Et pour le moment, on s'attendait à du lourd, à un jeu qui claque, au rapport. Et on est servi graphiquement. Commencez par réparer les pannes avant tout. Maintenant, il va falloir voir l'histoire. Mais l'histoire, j'ai confiance. Quelle est notre position ? 4 ans pour préparer un jeu, normalement. Montre-nous ce qui se passe. Tentative d'ajustement des capteurs. S'il vous plaît, Alec, vous êtes peut-être le pionnier, mais c'est mon vaisseau. Le protocole est clair, capitaine. En l'absence de communication avec le Nexus ou les autres arches, nous continuons vers notre monde en or, la Terre ferme. En espérant qu'elle existe. Personne n'avait prévu qu'on percuterait un nuage d'énergie, si c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Alec, je dois évaluer les dégâts et contenir l'hémorragie. On a 20 000 personnes en hibernation sur ce vaisseau. Laissons-leur une chance de se réveiller. Elle a raison. Mais l'argument de mon père tient bien la route. La Terre ferme, ça sonne plutôt bien. Oui, mais... Plutôt bien, ça ne suffit pas. Oui, chef. On envoie le bout! Quand même. Mon Dieu. C'est ça, notre monde en or. En 600 ans, il a pris un coup de vieux. Bizarre, bizarre. C'est peu, 6 ans. 686 ans. Pourquoi cette planète a tant changé ? N'est-ce pas ? On ne sait pas encore dans quel état se trouve cette planète. Ça reste notre meilleure chance. Peut-être. Mais il y a beaucoup en jeu. Sam ? L'énergie du phénomène perturbe nos capteurs. Impossible d'analyser les conditions planétaires. On est coincé. 20 000 âmes à la dérive dans l'espace. Et quand nos réserves d'énergie seront épuisées, il faut qu'on sache si ce monde est viable. Et dans le cas contraire ? J'aurai la responsabilité de trouver une autre solution. Les pionniers sont formés pour ça. Mais si tout va bien, on est déjà chez nous. D'accord, mais faites vite. Harper, le reste de l'équipe devrait être debout. Qu'il prépare deux navettes. Atterrissage dans 30 minutes. Compris. Bon. Une vraie tête de mule, hein ? Je n'en sais rien. Vous en savez autant que moi. C'est peut-être mon père, mais j'ai toujours eu du mal à le cerner. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas comme si on pouvait appeler la cavalerie à notre secours. Où en sont les réparations des capteurs ? On avance à l'aveugle, là. Ok.
bizarre. Tout a bien changé. Ma sœur va être dégoûtée d'avoir raté ça. Tous les riders sont accros à l'adrénaline? Il faut croire que c'est dans nos gènes. Elle est venue au monde une minute avant moi. Elle n'en pouvait plus d'attendre. Ne vous en faites pas, Sarah va s'en sortir. Oui. Et elle voudra un récit détaillé. Alors, on n'a plus qu'à aller l'écrire. Bon, vous devriez mettre votre casque. Et peut-être faire un arrêt à la pierre porte-bonheur avant d'y aller. La quoi ? Une vieille manie de votre père. C'est bon ? Ça devra suffire. Le pionnier a exigé des armes de poing. L'accès à l'armurerie a été ouvert. On risque d'avoir des ennuis, Sam ? Simple précaution. Veuillez vous équiper, Ryder. J'espère ne pas en avoir besoin. Toujours bon à savoir. On n'a détecté aucun problème quand on a scanné Andromède. Comment... J'étais un peu trop vite, tu aurais peut-être dû écouter sa question. Mais de toute façon, ça ne va pas changer le déroulement du jeu. Docteur Carlyle, vous ne feriez pas mieux de rester à bord de l'Arche avec tout ce qui se passe? Le pionnier veut un médecin dans l'équipe. Et si c'est notre future maison, je serais ravi de toquer à la porte. Ouais, sauf qu'on ne sait pas trop ce qui se trouve de l'autre côté. Pas de problème. Si ce truc a des dents, j'ai pris ma pince. Je les arracherai moi-même. Que tu dis ? Bon, écoutez tous. On part dans 5 minutes. On a préparé les armes comme vous l'avez demandé. Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Ça semblait prudent, vu la situation. L'équipe n'est pas au complet sans Sarah. J'ai appris ce qui s'est passé. Sarah est forte. Elle s'en sortira. On a parié sur qui toucherait le sol en premier. J'aurais préféré gagner autrement. Connaissant Sarah, elle voudra le jouer à qui tout double pour voir qui escaladera la plus haute montagne. Mais il ne faut pas se laisser abattre. J'ai besoin de toutes tes capacités. C'est bien compris. Votre mère aurait été fière de vous deux. Bon les gars, écoutez-moi bien. J'ai choisi chacun d'entre vous pour cette équipe, pas seulement parce que vous êtes compétents, mais parce que vous êtes des rêveurs, comme moi. On rêve d'explorer l'inconnu, d'arriver jusqu'au bout du monde et de repousser les frontières encore plus loin. Quand les gens reviendront sur ce qu'on a fait, ils se souviendront qu'on n'a pas laissé tomber. On a poursuivi notre rêve. Ils se rappelleront que nos premiers pas chancelants sur Andromède marquèrent le début de tout ce qu'ils connaissent. Cette occasion ne se représentera pas. À nous d'écrire l'histoire. Ça fait 600 ans qu'on attend ça. Eh bien voilà, voilà voilà, nous partîmes du vaisseau pour aller sur cette planète. Nous allons observer le vaisseau mère. Mais ça a arrêté net l'Hyperion. Il s'agissait d'une masse instable d'énergie noire. Si tu le dis, restez à distance. Un jeu somptueux. Avec des graphismes magnifiques, une histoire superbe. On s'attend à du gros et du bon Mass Effect, cette fois-ci. Ryder, on n'a pas eu l'occasion de faire connaissance dans la Voie Lactée. Je suis Liam Costa, responsable... Disponible avec une mise à jour 4K pour la Scorpio. J'ai du mal à croire qu'on est enfin sur le terrain. C'est
sûr que c'est plus palpitant que lire les brochures. Décélération enclenchée, planète 3 devant. Un jeu qui va faire de nombreux heureux dans le domaine science-fiction. En tout cas, il y a une atmosphère. Le guidage est brouillé. Ça va passer. Mais comment on se laisse pas faire ? Ajustez le vecteur d'approche de 3 degrés à tribord. Je répète, Hyperion. On approche maintenant de la troposphère supérieure. On l'est passé. Ouais. Navette 2, vous voyez ça ? Affirmatif. Ça ressemble pas à un monde en or vu d'ici. Les niveaux d'ionisation augmentent. Pas terrible, la nouvelle Terre. Bon. Restez calme, Navette 2. C'est grand une planète, hein, quand même. C'est vrai, ça. Ils ont forcément développé des techniques avancées. Hyperion, ici le pionnier. On détecte la présence d'une civilisation extraterrestre. Ah ah. Salut. Et s'ils sont pas amicaux. On s'en tient au protocole. Pas d'usage de la force, sauf intention hostile. Merde. Pouillo. Donne-moi ta main. Oh là. Accélération en hausse. Sans blague. Défaillance du micro-compulseur. Fais-le marcher. Vitesse terminale bientôt atteinte. Sam. Un petit slalom. Oh merde. Pas bon. Waouh. La technologie ne fait que des progrès dans ce jeu aussi. Somptueux. Waouh. Eh ben... Ici Ryder, à vous. Hyperion, Sam, quelqu'un m'entend ? Pas la peine, Ryder. Sam et HS, la com est foutue. Et nous, on l'a échappé belle. Les autres s'en sont sortis ? J'en sais rien. C'était la panique. La navette s'est fendue en deux. Un vrai cauchemar. Ouais. On peut pas vivre ici. Je crois qu'on va devoir monter dans les hauteurs. Voir s'il y a des survivants. En route. Ouais. Tu Ryder, par là. Vous allez toute votre formation à la survie. J'ai déjà connu pas mal de galères. Rien de trop improbable, mais... Eh ben... En voilà de l'improbable. Ces rochers flottent dans les airs. Terra incognita. Il est grillé. Rien à faire. Ça explique pourquoi on a perdu notre connexion à Sam. Au fait, un petit conseil. Respirez pas cet air. Je l'ai découvert à mes dépens. Compris. Vous croyez que c'est à cause de ce nuage d'énergie qu'on a vu ? Ça m'a dit que c'était de l'énergie noire, mais c'est dans l'espace. Ouais. Sacré nuage. Un nuage qui fait voler la roche. Ouais. Bizarre tout ça. Ça me fait penser à Felucia, une planète dans Star Wars. Bordel, qu'est-ce que c'est que ça ? Sur laquelle on voit d'ailleurs dans Le Pouvoir de la Force numéro 1. Mais c'est dingue ! Bienvenue sur l'habitat 7. Ils ont juste les champignons, qu'est-ce que c'est que c'est ? Waouh ! Avancez ! Oui, mais... C'est dangereux quand même. Allez, hop ! Merde !
balle. Attention. Il a l'air plus sûr là-dessous. J'hallucine ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Cette planète veut notre peau. Je peux toujours essayer. Votre arme fonctionne? Le jetpack, en tout cas. Ouais. Tirez sur cette cellule de carburant. Elle est foutue. Ça a l'air d'avoir marché. Tip top. Alors, ranger l'arme, ça doit être select. Non. C'est contre en haut. Non, ça c'est. Va là-bas. Ça c'est suis-moi. Non, ça c'est le. On peut ranger l'arme normalement, mais bon, bref, ça s'est rangé. Allez hop. Est-ce que c'est par là? Là-bas. On peut grimper cette falaise pour prendre de la hauteur. Laquelle? Je sais pas si c'est une bonne idée qu'on dépasse de tout le reste. Là, là, il y a des munitions. Ok. Bon, on va essayer. On utilisera nos micropropulseurs si nécessaire. C'est parti. Je crois que je préférerais tomber plutôt que d'être frappé par la foudre. Attendez une minute. On peut sûrement faire les deux. Comment mon père vous a trouvé? J'étais flic. Et puis j'ai fait partie d'une unité d'intervention d'urgence. Ah? Je vous raconterai autour d'une bière un de ces quatre. Oh là là, non, non! Ah si. Je croyais que c'était plus haut que ça. Bon, et maintenant. Par là. Mais par là, en allant. Par là. Hop là. C'est bon. Un peu de Mario. Ah, pour sauter de longue distance. Oui. Ça marche, je sais. Je vois le sommet. Voilà. Voilà. Vous me faites un peu de place? Merci. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée. Mais c'est à nous de découvrir. On croirait entendre votre père. Il avait raison. Quelque chose a mal tourné ici. Et il faut trouver quoi? Chaque chose en son temps. Ouais. Ryder, c'est Fisher. Et un tour. Un temps pour chaque chose aussi. Regardez. Alors. Nous ne sommes pas seuls. C'est vrai que c'est mieux. Si on a tort, c'est Fisher qui craque. Eh oui. On verra bien. Doucement, doucement. Peace. Si. Je crois qu'ils ne sont pas encore opérés. Alors. Merde. Il nous a fait ça. On comprend pas ce que vous dites. On veut pas se battre. Cet homme est avec nous. Il a pas l'air très amical. Est-ce qu'il faut que j'avance? Non mais, en plus ils avaient un prisonnier à nous. C'est fini. Fisher, tout va bien? Ces enfoirés voulaient ma peau. J'ai dû intervenir, Ryder. J'avais pas le choix. Je voulais pas empirer les choses. On n'avait pas prévu que les premiers aliens qu'on rencontrerait nous sauteraient à la gorge. Il faut revoir nos plans. Bon, on est fixés. Les brochures étaient un peu vagues sur les aliens aux mœurs sanguinaires. On sait toujours pas ce qu'ils voulaient.
vu comment ils vous ont traité, je dirais des prélèvements sanguins. Le premier contact n'était pas censé se passer comme ça. J'avais autre chose en tête. Vous laissez pas abattre. Il faut se dire que ça se passera mieux la prochaine fois. Ouais, ça peut pas être partout comme ça. Où sont les autres? Plus là. Kirkland et Greer sont partis chercher de l'aide. Debout. Ah! Ma jambe! Elle est cassée? Je crois bien. Vous occupez pas de moi, allez chercher les autres. Vous êtes sûr? Et lui, on laisse ça? Ouais. Trouvez-nous un moyen de filer d'ici. Profitez-en pour dégommer d'autres de ces fumiers. Ok. On va respecter son choix. Qu'est-ce qui se passe? La vache! Regardez ces cadavres! C'est quoi ces créatures? Y'a rien dessus. Bizarre. Et l'autre? Où il est l'autre? J'espère que l'autre équipe va bien. On les retrouvera. Mais on devrait peut-être. Par essence d'abord. C'est vous l'explorateur? Après vous. Donc ici on a le journal, comme sur les premiers Mass Effect, par exemple. Par contre, le codex n'est pas vocal. Bon, peut-être que ça fera en plus de place sur le jeu, et ils ont préféré prolonger le jeu que mettre du codex vocal. De toute façon, quelqu'un qui a déjà joué à Mass Effect ne va pas sans... Enfin, ne va pas, comment dire, patauger, voilà, ne va pas galérer à comprendre comment ça fonctionne. Pourtant, c'est un mot tellement simple, galérer, qu'il m'a échappé. Bon, alors, vous avez bien sûr les associés, les initiatives, ce qu'on peut faire, non disponible actuellement, les compétences, pouvoir de combat, pour le moment, j'en ai pas, donc... ou un point, je les aurai plus tard. Non, d'ici, ça c'est quoi? Je ne sais pas encore. Et bien sûr, les paramètres, ça c'est les paramètres. Bon. Et la carte d'où vous vous trouvez. On doit aller là. Donc, allons-y. Vous avez l'air de savoir manier une arme, dis donc. J'ai passé un peu de temps avec une unité de maintien de la paix de l'Alliance. Ok. Alors, par où? Par là-bas. Qu'est-ce qui... Je crois que c'est par là-bas, il me semble. Non, c'est le sud. Non, c'est par là-bas. Mais le sud avait une petite barre dessous qui m'a trompé. Alors, faut faire gaffe à ces éclairs. Ces orages magnétiques. Vous entendez? Là, ça tire, il me semble. Donc, grosse différence dans Mass Effect. Le personnage se met à couvert. Ceux qui ont joué à Quantum Break comprendront de quoi je parle. C'est-à-dire que je n'ai pas de bouton. Dès que je m'approche d'un rocher, il le fait automatiquement. Bon, et voilà que... Combien il y en a? Bon, toi, mets-toi là. Bon, on va aller voir... Joli. J'en vois plus qu'un. Donc on a le droit à une balle spéciale avec le bouton LB. Pas qu'on en soit arrivé là. Pour le moment, elle se recharge. C'est une balle qui fait mouche en un coup. Bon, c'est une des améliorations qui nous donne d'entrée de jeu. Vous la voyez en bas à droite sur LB. Alors, ça c'est... Je vais quand même les fouiller. Fonction vitale à zéro.
Ils l'ont abattu de sang-froid. Il était en train de se rendre. Pourquoi le tuer? Vous croyez qu'on aurait réagi autrement si ça avait débarqué sur Terre armé jusqu'aux dents? Peut-être pas. La paix n'a pas l'air d'être au programme avec eux. Eh non. On reviendra chercher son corps quand on aura retrouvé les autres. J'espère que Greer est toujours en vie quelque part. Mais regardez un peu cette architecture. C'est quand même quelque chose. C'est vrai que c'est pas commun. Voilà, qui se recharge en bas à droite. C'est juste un coup d'essai, mais je cherche... Attendez. Suivez-moi, ça c'est poste-toi à gauche, ça c'est poste-toi à droite, mais comme on en est que deux, ça marchera plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le start, oui, le menu, le select, c'est ranger son arme. Oh là là, j'aurais peut-être pas dû la ranger. C'est quoi ce truc? C'est bon, on l'a eu. Je me demande ce que c'était. Comment il a fait pour se camoufler comme ça? On devrait pas rester là. C'est bizarre que... Pour la carte... Non, ça, je dois plus toucher à LB, c'est... Non, c'est pas ça. Oui, parce que avant il y avait les roues, mais ça, ils les ont enlevées. Donc... Il faut laisser... Maintenir start... Journal, carte, c'est bizarre que... Journal, première sortie... Bon, ça, je suis obligé de le faire. Ça, pas maintenant. Prologue, ça, c'est réussi. C'est mission terminée, ça. Le codex, qu'on connaît bien. Les espèces. Planète. Bon, pour le moment, on n'a pas de renseignements sur cette espèce. Non dispo, paramètres, carte, voilà. En fait, je suis là et je dois aller là. Structure alien. Encore une autre, et ok, c'est par là qu'on doit donc gérer notre truc, alors on va par là. J'ai une direction plus ou moins, est-ce laquelle, la première ou la deuxième? Est-ce que je peux aller sur carte directement ou codex, inventaire, pas d'inventaire. Partie, profil, compétences, rien toujours, non rien. Alors... Hey, vous êtes éclairante, là-bas. Ça pourrait venir des nôtres, je vais ajouter les coordonnées. Bon, ça fait beaucoup de coordonnées tout ça. Bon, je pense que ça doit être par là-bas de toute façon. Alors allons-y. On va explorer, on est là pour ça à la base aussi. Regardez ça. Ça ressemble davantage au monde en or que mon père espérait trouver. Donc, les scans longue portée disaient vrai. Ça aurait pu devenir notre planète. Si c'est comme les plantes de la Voie lactée, il y a des signes de mutation cellulaire. Il a survécu tout ce temps. J'en déduis que c'est l'arbre alpha. Ouais. Mais qu'est-ce qui est arrivé à tous ses amis dehors? Il y a un animal mort là.
dans une sorte de piège. Et c'est plutôt récent. C'est ces aliens qui l'ont posé, vous croyez? Si c'est bien eux, ils font de cadeaux à personne. Mais peut-être qu'ils meurent de faim. Une planète bien étrange. Par là, sûrement pas, mais je veux quand même regarder qu'est-ce que c'est que ça. Ryder, encore ces aliens. Ils nous voient. C'est parti. On voit du genre bavard, hein. Attention. De ces créatures. Vous allez, Scabou. Ça, c'est pour Kirkland. Vous tenez le coup. Vous en faites pas pour moi. Je sais pas s'il est mort ou il est toujours vivant. Ça ne vient pas de la volade. Et voilà le travail. Une balle. Vous vous débrouillez pas mal, Ryder. Merci. Je gardais un relais gravitationnel. Si seulement on en avait eu un pour les arches. Je me demande ce qu'ils faisaient ici. Ils se sont écrasés, on dirait. C'est pas l'un de nos vaisseaux. Donc, comment j'ai fait changer d'arme? Ça s'est bougé. J'ai trouvé le bouton changer d'arme, c'était select. Non, c'est bizarre. RB. Comment j'ai fait ça? Je comprends pas. Ah oui, il faut sortir l'arme et faire back ou select selon comment on appelle ce bouton. Donc j'ai pris la mitrailleuse lourde, on va voir ça maintenant. On va ranger l'arme parce que pour le moment on appuie deux fois, normalement elle se range, ou bien on appuie longtemps, voilà. Et si on appuie X, normalement, que je prends celle-ci, et non, je prends celle-là, j'appuie X, il doit interchanger, exact. Je rappuie X, il interchange. D'accord. Allons-y. Bon, grosso modo, c'est les mêmes manips. Mais c'est pas tout à fait avec le jetpack. Bon, le jetpack... on peut rester en l'air avec le jetpack si on appuie LT en même temps. Donc R, ça fait L2 pour PlayStation. Et on peut tirer. On ne peut pas rester plus que 3 secondes en l'air. Bon. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Ça se passe par là, il me semble. Qu'est-ce que c'est que ça, des bâtiments aliens? Ça, c'est première sortie. De toute façon, c'est par là qu'il faudra, je pense, passer. Oula! Il y a trois directions qui s'offrent à moi.
Ok, par là je crois que ça me dit que... Enfin, ça se ressemble. Est-ce qu'on est déjà passé par là? C'est là la question. On approche d'un endroit à explorer. Maintenant il a disparu. Où est-ce qu'il est? Les parasites, mais avec un rythme. Bizarre. La source de ces parasites est tout près. Les parasites sont de plus en plus forts.